trois hommes, une femme, dans la nuit des temps du 21 août 1993, en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergault, Sim, Laurent Baffy et Jean-Pierre Pernaut. De Madame Séchant, au Japon, que ne peut-on, selon la tradition, jamais faire dans la demeure d'un étranger ? Harakiri. Harakiri. Bonne réponse de Jean-Pierre Pernaut. Eh oui. Il faut choisir ou bien un endroit neutre ou bien sa propre maison. Bah, évidemment, on fout du sang partout sur les murs. Le mec est obligé de repeindre et tout. De toute façon, il se fait harakiri chez son copain. Et alors, quelle punition il peut avoir ? Il est mort, le type. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de punition, c'est vrai. Ça se fait pas, oui, évidemment, mais ça se fait pas d'aller se pendre. C'est faute de goût, quoi. Bah, oui, bah, déjà, harakiri, ça fait rire personne, sauf Farah. Hein, mais. Non, mais. Ça me paraît tellement évident. Non, mais attendez, c'est un rituel qui n'a pas de correspondance dans le monde occidental. Vous savez que avant de se faire harakiri, on écrit un poème. Oui, on écrit un poème. Ouais. Avec son sang. Oui. Vous voyez ici le mec qui se suicide et qui fait un poème avant. C'est pas le genre, hein. Ouais. Non, harakiri, ça a beaucoup de gueule. Et puis il y a quelqu'un qui vous aide, hein, aussi. Ouais. Qui pousse sur le. Ça s'appelle un meurtre, hein, ça. Quand quelqu'un vous aide à vous mettre un coup de poignard dans le ventre, ça s'appelle un meurtre, non ? Ouais. Moi, ça me plairait bien d'aller me suicider chez un copain que j'aime pas, chez quelqu'un que j'aime pas. Ouais. J'en foutrais partout. Dans la baignoire, t'en mets partout. Je me ferais péter à la bombe, tu vois. Je cavalerais une grenade. Ça, c'est une bonne blague. Ah ouais. Personne ne s'est jamais suicidé en avalant une bombe. Ça, je verrais bien Bruno Mazur en train de faire un bon petit coup comme ça. Une bombe à retardement. Tu vois, par exemple, t'aimes pas un mec, alors t'avales une bombe à retardement, puis tu l'invites à bouffer chez la serre, par exemple. Hein? Et tu mets ton aiguille, disons, en plein milieu du repas. Tu vois, au moment de l'addition. Quelle explosion de rire! Ouais. J'adore ça. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, quel est l'instrument de musique pour lequel, lorsqu'on l'utilise, on n'emploie jamais le verbe jouer? Le triangle? Non, dit jouer du triangle. Taper, on dit, voilà, pour cet instrument. Non. Qu'est-ce qu'on emploie ? Il y a un verbe de remplacement quand même. Il y a un verbe à la place, mais on ne dit pas jouer. Est-ce que c'est un instrument qu'on voit dans nos orchestres classiques ? Oui, souvent. On gratte la harpe. Pincer la harpe ? Non. C'est on souffle dedans ? On souffle dedans, mais on ne dit pas souffler. Un saxo ? Non. On aspire ? Flûte ? Non. Le hautbois ? C'est synonyme de souffler quand même. La clarinette. C'est un mot qu'on met à la place de souffler et à la place de jouer. La contrebasse. Ça, vous voulez pas le mot, vous voulez l'instrument. Je veux le verbe qui s'applique à cet instrument et donc l'instrument aussi. Basson. Non. Souffler dans le basson. Mais on se rapproche beaucoup, hein. Tromblon. Tuba. Non. Le corps. Le corps. Alors sonner du corps. Sonner du corps. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergault et merci aux autres. Sonner du corps et non pas jouer du corps. Vous êtes fou de votre corps, vous, monsieur Sim. Il n'y a que moi. Vous jouez d'un instrument, monsieur ? Non, pas du tout, jamais. Du prompteur, vous jouez ? Non, je n'utilise jamais cet engin de malheur. Jamais, je n'utilise ça. Faites tout de mémoire, oui. Oui, ça bloque un peu le prompteur. On est là, on fait semblant de regarder les gens, on lit un texte. Mazur utilise ça beaucoup. Le pauvre. Non, je n'utilise pas. Mais alors, vous regardez de temps en temps vos papiers, vraiment ? Ah oui ? On a des papiers, on les regarde, et puis de temps en temps, on regarde la caméra aussi. Il y a des gens derrière. Sinon, on est là, l'œil rivé sur un texte qui défile. Une fois, on m'a écrit, il y avait une ligne qui sautait, il y avait des véhicules en plus loin Phoebe, F-I-B-I-E. J'ai éclaté de rire. C'était idiot, donc il vaut mieux pas lire, vous devez le dire. Et puis alors, dites donc, quand l'appareil se dérègle, ça doit être l'horreur, là, hein ? Oui, c'est arrivé de temps en temps, il y a quelques années, à Roger Jiquel. Comme il avait des phrases de 18 lignes à peu près, on ne s'en sortait jamais. Ce qui est bon, c'est quand le présentateur, il suit du doigt avec le doigt. Là, je trouve qu'à ce moment-là, là, ça se voit vraiment, quoi. Non, ce que j'admire, c'est quand on vous passe une dépêche au dernier moment, que vous en prenez connaissance en même temps que les gens, et qu'il faut réagir tout de suite avec le ton convenable. Ah oui, mais ça, c'est bon, c'est classique, une petite question d'habitude, quoi. Plus que sur l'habitude, mais ça arrive assez rarement. C'est arrivé beaucoup. Pour les élections, c'est formidable ce que tu as fait. Ah oui. Ah là, la dépêche qu'on vous a filée au dernier moment. Tu peux le refaire un coup, là ? Moi, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. Et pour nous, là.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de coups de téléphone maintenant qui interrompent. Oui, avec le... la régie. Ah, forcément, oui. Maintenant, on a une oreillette, donc il n'y a plus besoin de téléphone. On est en liaison permanente avec des gens. Mais ça qui vous gêne pas quand vous êtes en train de parler d'avoir un mec qui dit, dis donc, à 5h, il y en a un qui t'attend à la sortie, non? Oui, mais ça arrive tous les jours, ça. Vous avez quelque chose dans l'oreille? Oui, une petite oreillette. J'ai jamais vu ça. Et on est en contact avec la régie, avec un monsieur qui nous dit ce qu'il faut faire, un petit fil dans l'oreille. Pourquoi j'ai jamais vu ça? T'as une toute petite oreillette dans l'oreille. Dans l'oreille? Alors le fil, il passe comme ça? Par le nez, par les trous du nez. Comme ça, il lui ressort. Sous le, là où il y a un autre... Il passe dans l'intestin. Ça passe dans l'intestin, oui, oui. Et puis il ressort en bas, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on entend souvent... Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Fongarnant. Quel nom donne-t-on à un endroit fréquenté par un grand nombre d'étrangers de différentes nations? Un forum. Une banlieue. Non. Une promenade. Vous êtes sûr qu'elle est terminée, votre question, là? Oui. Elle fait suspendue, c'est pas... Non, pas du tout. Non. Un endroit en plein air, découvert. Bah, c'est généralement un bâtiment vers lequel convergent des gens qui parlent toutes les langues. Une convergent. Une préfecture. Un bordel. Pour avoir, une préfecture pour avoir des papiers. Une gare. Non. Une ambassade. Non. Si vous voulez, c'est un endroit très cosmopolite. Et pour cette raison... Les acéliques. On lui donne un nom spécial. Ah, un nom un peu étranger? Romain? Latin? Non, ça vient du temps où des gens traversaient le désert et arrivaient dans ces endroits qui étaient situés dans le monde arabe. Genre d'Oasis? C'est pas sans rapport avec le transport par chameau. Caravane, sérail. Non, caravane? Un caravane-sérail? Caravan-sérail. Ah, non. Caravan-sérail. Caravan-sérail. Bonne réponse. Bon, je l'ai mal prononcé. Et merci à Laurent Baffi. Caravan-sérail. Parce que la caravane-sérail, c'est le BMC. C'est d'ailleurs le bordel militaire où les putes sont dans les caravanes dans les casernes. Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espart. Comment s'appelait à la fin des années 70 les numéros de téléphone qui permettaient de communiquer gratuitement avec des inconnus? Le réseau. Comme maintenant. Le réseau, oui, ça dure encore, mais ça a commencé là. Bonne réponse de Laurent Baffi. J'ai passé du temps là-dessus. Hein. Ah, il y avait des bandes, en plus on entendait, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. On n'avait même pas une seconde pour parler dans les blancs, et on se tapait le disque pendant des heures et des heures pour parler avec sa voisine de palier qui était à côté. Ah oui, ouais. Mais on savait pas à qui on parlait. On savait pas, mais souvent c'était des gens pas très intéressants. Mais ça coûtait rien. Ça coûtait rien. Ouais. Ça occupait. Et ça continue? Je pense pas, non. Non, c'est remplacé par la météo maintenant. Le Minitel. Ah bah maintenant c'est le Minitel qui fait ça. Mais Minitel et la Cibi en voiture aussi, c'est fantastique. La Cibi, moi j'ai ça, moi. Un truc, hey, Polo, fais gaffe au papa 22. J'ai ça pour les radars, oui, papa 22, boîte à images. Maintenant on se parle aussi beaucoup là-dedans. Ouais. Vous avez ça, une installation Ah, moi j'ai une Cibi, oui, pour juste savoir quelle est la météo, justement. Si les gens vous avertissent, vous dites attention, il y a du brouillard dans 200 km, donc on a le temps de ralentir. Contrôle papa 22. Ah, parce que vous ralentissez aux 200 km avant l'obstacle? Qu'est-ce que vous avez comme bagnole si vous mettez 200 km pour vous arrêter? Mais une petite. Vous demandez à Philo Pétré, encore un humoriste, il vous dira, il ne voudra pas le temps qu'il fait. Hein. Mais je pense au réseau. Le réseau, c'était quand même un peu sexuel. La Cibi, c'est sexuel aussi? Pas du trop, oh là là. C'est sexuel, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est pour savoir où sont les flics, les radars, les... Bon, mais en plus, ils entendent. On n'a pas le droit d'avoir Si, il y a une licence. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de se faire un flic, là, c'est sexuel. Ouais. Tu payes une licence, Une fille, et se faire photographier, alors c'est vicieux, là. Une fille, ça se dit YL. Parce qu'ils ont un code là-dedans, donc il y a des tas de trucs, un gros... Qui? Une fille? Ouais, YL. C'est quoi ton QRZ aussi? C'est le... QRZ. Ouais, ça veut dire le surnom. Moi, c'est Philippe Bouvard, moi, sur la Cibi. Et les routiers qui et ont ça. Pourquoi vous comprenez pas? Pourquoi vous parlez pas normalement? Quand tu vas dans un pays, tu connais pas la langue. Au début, tu comprends rien. Puis c'est pour pas que les flics les comprennent.
Ah oui. Alors nous, on y arrive au bout d'un moment parce très qu'on bien, parce se branche sur la Sibylle, mais... les flics. Finalement, c'est hors la loi. Attendez, si vous, vous comprenez, les flics, même s'ils sont pas tellement très futés, quand même, à un moment donné, ils comprennent, non? Non, mais c'est soit avec une Sibylle, on entre dans un petit village où la route est large, où il n'y a pas de danger, on demande si la route est claire pour savoir s'il y a un radar. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est propre? Et puis on entend une voix qui dit ouais, Coco, tu peux y aller. Puis c'est le flic qui répond généralement. Ouais, c'est vrai. Celui qui est derrière son radar, donc après... Moi, je demande toujours deux fois. Moi, chaque fois, je demande s'il y a un radar, c'est pour faire mes courses, un radar client ou un codec. Moi, je mets 10 balles dans mon petit panier que je pousse. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse quand je rentre dans un petit village. Pousse pas trop vite, hein, si tu fais gauler. Mais je croyais que la loi interdisait de renseigner... De prévenir, oui. De prévenir. Même quelqu'un qui fait un appel de phare... Ouais, mais ils n'ont pas pu contrôler ça, ils ont oui, arrêté... Comment de... aller vérifier que c'est un appel de phare et non pas que vous cherchiez comment ça marchait. Moi, je fais des appels d'essuie-glace quand je connais pas les voitures, parce que tant que je cherchais bien ce qui se passe... C'est vrai qu'au bois de Boulogne, il y a un tas de gens qui préviennent pour des radars. Ah, plus rien maintenant, il n'y a plus rien. J'y suis passé l'autre jour, c'est d'un monotone, c'est terne, il n'y a plus rien du tout. Question de Madame Marcy, quelle différence y a-t-il entre les Esquimaux et les Lapons? Y en a qui... bâtons. Ils sont pas du même pôle. Il y en a un qui est... Alors, les Esquimaux, c'est le... Pôle Sud et Pôle Nord. Sud. C'est-à-dire, les Esquimaux, ils vivent où? Pôle Nord. L'hémisphère... Groenland. Ils vivent au Groenland. Et les autres, en Groenland. Et les Lapons. Au petit Groenland. Et les Lapons à l'Alaska. En Laponie. Oui, mais c'est sur quel continent, les Esquimaux? L'Amérique. Nord. L'Amérique. Oui, au nord. Et les Lapons? Au sud. L'Europe. C'est l'Europe, c'est la partie la plus septentrionale de l'Europe. Bonne réponse de Laurent Baffy et de Jean-Pierre Pernes. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 21 août 1993 en compagnie d'Isabelle Mergo, Sim, Laurent Baffy et Jean-Pierre Pernet. Question de monsieur Bézecourt. Oh le pauvre. Il est marié ce monsieur? Dans le droit civique. On envoie les fleurs à sa femme. Par quel nom désigne-t-on un contrat par lequel un débiteur affecte un bien à la garantie d'une dette? Mais alors là... Oui, ça, je ne m'attendais léonien. Pas à ce que vous compreniez non plus. C'est une hypothèque. Contrat léonien, non? Non, ça, le contrat léonin. Léonin. Léonin, c'est autre léonien. Chose. Là, il s'agit, si vous voulez, de donner une contrepartie, c'est-à-dire une garantie, à... parce qu'on vous a prêté de l'argent. À moi? C'est pas... c'est pas quelqu'un qui chose... vous connaissait pas. C'est pas quelque chose qui est alloti? Non. C'est un mot, pas très employé, sauf quand vraiment on a besoin de donner des garanties à sa banque ou à un créancier. Une sorte d'avaloir. C'est genre une reconnaissance de dette. Se porter. C'est en quelque sorte un synonyme de caution, mais ça se dit d'une garantie en matière de dette. Apportée par quelqu'un d'autre, une personne vivante, physique. Ça peut être l'intéressé qui fournit cette caution, et généralement c'est sur un bien. Genre une hypothèque. Non, c'est plus large que l'hypothèque. Ça n'est connu que dans cette acceptation, je veux dire. Cette acceptation. C'est cette acception. Ah oh, bon, oui, oh là 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 là. Ah bah oui, oui, hein. Bon. Alors, quand même une femme de lettres, hein, mon petit, je vous rappelle. Ouais, mais je choisis mes mots, hein, puisque c'est moi qui écris. Alors, moi, je peux très bien faire avec 200 mots. Hein. Oui, bon. Tant que ça. 100. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit hypothèque. Alors, est-ce que c'est dans une autre acception? Non, il n'y a que dans cette acception-là que ça s'emploie. Est-ce que vous croyez que je connais? Je ne pense pas. Bon. Mais qui connaît alors? Mais quand on emprunte à sa banque, on n'est pas confronté à ça systématiquement. Non, mais ça aide à obtenir un prêt, surtout si c'est un prêt. Il faut des garanties pour obtenir un prêt. Il faut quoi, des garanties? Oui. Quelqu'un qui se porte éventuellement caution. C'est-à-dire que... Il faut un certificat médical aussi. Et on peut dire un... Oui, tu peux le dire, tu viens de le dire. Tu vois qu'on peut le dire. Alors je recommence. Un, ça y est, je l'ai dit. Un garant, quoi, un truc comme ça. Ah, si vous voulez, vous avez une propriété... Oh, mais tout petite, hein. Et vous acceptez de la donner en échange. Non, pas en échange. En garantie? Alors, on dit pas en garantie. Là, il y a un mot un peu technique engage. Qui remplace le mot garantie. C'est pas en gage non plus, mais c'est ce sens-là. Bien, ben, vous savez... 1000 balles, là, c'est là, pas là, question. Il faut bien qu'on envoie un mandat de temps en temps. C'est monsieur Bézecourt qui va en bénéficier.
Ça, il faut aller se faire soigner. Mais la donner, c'est une sorte d'assurance, pas de la donner en assurance. Oui, oui, mais bon... C'est le mot qu'on trouve pas. Le bien vous appartient toujours. Bon, pas tous. Ça n'est pas une véritable hypothèque pour autant, mais votre prêteur sait que s'il n'était pas remboursé, il pourrait entrer en possession de ce bien. Mais je le connais, ce mot-là, mais... Est-ce qu'il y a ce terme-là dans le Monopoly ? Non. Mille balles. Applaudissements pour Monsieur Bescourt. Mandat pour M. Bescourt, jeu des grosses têtes pour M. Bescourt. Ça, c'est salaud. Car ce bien qui garantit une dette fait l'objet d'un nantissement. Ah, ben voilà, c'est vous ça. Connaissiez le mot. Ben oui, bien sûr. Mais pas Isabelle, hein? Non, je ne ferai pas semblant, je ne connaissais pas. Vous n'avez pas une tête à connaître ce mot-là. Ben, elle n'a pas encore de propriété, elle n'a rien, sauf son corps. Qu'elle ne donne pas en nantissement, du reste. Non, mais enfin, moi, je préférerais en avoir la jouissance plutôt que l'usufruit. Alors, une question facile de l'abbé Pierre Lot. Sous quel nom est plus connue la naupathie ? N-A-U-P-A-T-H-I-E. Une maladie ? C'est pas vraiment une maladie, mais c'est pas très agréable. C'est le ver solitaire. Il y a pas mal de gens qui en souffrent. C'est quand on prend le bateau et qu'on a la gerbe. Gerbe. Oui, enfin, on dit pas la gerbe. Qu'on a. Mal de mer. Le mal de mer. Bonne réponse d'Isabelle Mergeau et merci à Laurent Baffi. La naupathie, c'est le mal de mer. Et c'est pas agréable, hein. Ah, c'est terrible. Vous l'avez eu déjà ? Moi, je l'ai eu. J'ai toujours malade, toujours. Puis alors, faire l'amour en mer, c'est la mort de l'amour. Moi, ça m'est arrivé de faire l'amour, enfin, de tenter, bien sûr, dans ma couchette, lorsque j'avais un bateau. J'ai jamais pu y arriver, je tombais par terre toutes les deux minutes. Ça va très bien quand c'est le tangage, parce que le tangage, c'est d'avant en arrière. Et le roulis ? Ben, le roulis, c'est de chaque côté, de droite à gauche, de gauche à droite. Ben, c'est ta femme qui doit être contente. Ah, ben non, mais moi, je roule facilement, tu penses. Il y a un humoriste qui disait que quand on fait un repas sur un bateau, on a intérêt à manger de jolies choses parce qu'on les voit repasser rapidement. C'est l'ancêtre du micro-ondes. Hein. Question, la dernière, de Mademoiselle Hugo de Vallan, qui a dit « Rien n'est impossible à l'homme qui n'a pas à le faire lui-même ». Dac. Non. Doris. Hugo. Rien n'est impossible à l'homme qui n'a pas à le faire lui-même. Oh, c'est vieux, ça. C'est Capu. Assez âgé. Ça remonte à une 30, 40 ans, oui. Pagnol ? Non, c'est pas Pagnol. Cocteau ? Non. Guitry ? Non. Morand ? Comment ? Morand, Paul Morand ? Non. Académicien ? Académicien français. On a repris une de ses pièces, il n'y a pas tellement longtemps. Achard ? Oui, Marcel Achard. Bonne réponse de Sim et de Laurent Baffi. Bravo, merci, à la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, sur RTL.